musée de la Société des Nations a été créé en 1947 pour perpétuer l'histoire de cette organisation qui avait cessé d'exister en 1946. Donc voilà ce à quoi il ressemblait au moment de sa création et ce à quoi il a ressemblé pendant très longtemps. C'était un endroit un peu statique où l'on donnait à voir des documents plus qu'on ne le faisait interagir avec le visiteur. Après une première rénovation en 2010, nous avons eu l'idée de changer le concept récemment et de le transformer en musée des Nations Unies à Genève. Mon collègue Fabrice Arlot a conçu quatre espaces pour ce nouveau musée. Un espace d'exposition permanente, un espace d'exposition temporaire que l'on offrira à des partenaires ou que l'on où l'on organisera des expositions de documents originaux. Un espace que l'on appelle espace presse, où le visiteur pourra apprendre à mieux connaître les différents thèmes traités à travers notamment un magazine que nous avons créé pour le musée, le magazine Mémo Futur. Et enfin, un espace un peu plus polyvalent, un espace multimédia, où l'on montre des clips, des vidéos de l'époque de la Société des Nations ou des vidéos de l'ONU pour des activités éducatives. Il y avait un panneau rond, c'est ça aussi. Oui. Il y a la seule chose. Oui. Ouais, j'ai vu Colline, il m'a dit que ça allait. C'est un article de la presse. Alors, on voulait illustrer l'intervention d'experts techniques de la SDN auprès de certains États membres. Et donc ici, c'est un dossier qui concerne l'assistance fournie par la SDN après les grandes inondations en Chine en 1930. Il fallait trouver un document qui illustre ça et on avait le choix entre tout ceci. Par exemple, celui-là, qui est intéressant, mais très peu visuel et sûrement peu marquant pour le visiteur. Et il faudrait lire le document entier. Notre choix, finalement, s'est porté sur un télégramme. Le télégramme a un aspect visuel. On rend le côté ancien, puisque c'est quelque chose qui n'existe plus. Ça ne se fait plus, les télégrammes. Mais tout le monde en a déjà vu, dans des films historiques, par exemple, où on voit ce type de document. Et je pense que ça crée chez le visiteur une résonance, une émotion. There's many added values. The first of one is the physical proximity to some of the material that you may or may not see online, and you see it in a different way. You see it here, particularly in this new exhibit. You see the link between the past and the present, which is incredibly important if we're going to energize our young people to be an actor in the future, so that they see the amazing things that the system has done ever since the beginning of the League of Nations and right through the United Nations for them, for their fellow human beings and for their children. Well, first of all, its location. It's in the middle of this extraordinary historical building. It's in the middle of this ecosystem of organizations that we have in this town. It really is it encapsulates all the things that the system here, the international system and the UN system collectively does for humankind, and therefore is a window. It's a physical window on all of these activities. And I think, therefore, it's very important that we have this museum, and I'm very happy that it has been brought, that has been renovated, and that the way that the activities that we have been doing and are doing are explained, and that red thread from the past to the future, and hopefully, when schools comes and see this and you interact with them, and explain how this is a foundation for their own future. Well, there are many of the items that are interesting, but I've seen some of the posters that I immediately thought should be my next Christmas card. Some of them are beautiful and very evocative of what we're doing and very symbolic. But you know, the charter of the League of Nations is a very actually emotional to see that. There's so many things here that are fantastic. Some of the films that you have, the old films from the Palais des Nations, are great. It's hard to pinpoint one. It's a beautiful exhibit. Les archives sont au cœur de cette exposition. Ce sont elles qui rendent l'histoire tangible.
Et comme nous ne pouvions malheureusement pas les présenter sous forme de documents originaux pour des raisons de préservation, nous les avons figurés symboliquement par cette étagère. All these countries had to make declarations to the League saying that these were protected populations. L'une des lignes directrices dans cette exposition permanente est de montrer en quoi la Société des Nations a évolué d'une mission purement politique vers une mission plus orientée vers la coopération technique entre les nations, notamment dans le domaine économique et social, et qui a posé des bases continuées par les Nations Unies. Avec une évolution, bien sûr, le contexte étant complètement différent, une évolution avec la décolonisation vers la notion de développement dans les années 60, avec plusieurs décennies pour le développement, puis la notion de développement durable avec les objectifs du millénaire en 2000, puis enfin, tout récemment, en 2015, les 17 objectifs du développement durable que nous avons figurés sur ce mur ici. Donc l'idée est vraiment cette continuité, hein, ces étapes qui ont été parcourues par la Société des Nations et les Nations Unies. Donc on a représenté les 17 objectifs et placé ici une borne à travers laquelle est accessible le site des Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Ce site est donc disponible dans les 6 langues officielles et permet aux visiteurs d'en apprendre plus, d'en apprendre également sur comment lui-même peut s'impliquer dans ce mouvement qui vient d'être lancé pour atteindre ses objectifs en 2030. Particularly with epidemic and... L'une des difficultés consistait à illustrer d'un côté les activités, les principes de la Société des Nations et de l'autre ceux des Nations Unies par des documents qui soient suffisamment visuels et surtout qui se répondent dans leur format et dans leur visuel. Le premier document choisi était une affiche de la fin des années 40 qui illustrait, avec un design très intéressant, les différents principes inclus dans la Charte des Nations Unies. Pour assurer la correspondance avec le document précédent, on a choisi un document assez ludique, un jeu de loi, édité par une ONG allemande en 1930, qui figure, donc par ce jeu, les différents principes inclus dans le pacte de la Société des Nations et les différentes activités mises en œuvre par l'organisation. Ce document a beaucoup de succès et nous songeons très fortement à le rééditer. Dans cette petite salle consacrée aux activités de désarmement de la Société des Nations et des Nations Unies, nous avons pu exposé notamment un document très intéressant qui est une réunion du secrétaire général de la conférence du désarmement de la Société des Nations avec le chancelier Hitler lors d'une tournée des capitales européennes qu'il avait faite en juillet 1933. Ce musée a été conçu pour être en constante évolution. Pour permettre de montrer les différentes facettes de l'histoire de la Genève internationale. C'est le cas notamment à travers cet endroit, qui est l'endroit pour les expositions temporaires, organisées notamment en partenariat avec d'autres organisations internationales. C'est le cas actuellement avec une exposition du Bureau international d'éducation. L'une des façons de faire évoluer les contenus de ce musée est la publication de ce magazine, Mémo Futur, créé pour notre musée et qui illustrera différents aspects de l'histoire de la Société des Nations et des Nations Unies. À travers ce magazine, le visiteur pourra approfondir son expérience de l'histoire de la Société des Nations et des Nations Unies et en appréhender toutes les nuances et toutes les complexités. Il s'adresse à tous nos publics, que ce soit les diplomates et délégués, les fonctionnaires des Nations Unies, le public en général, mais peut-être surtout à nos jeunes visiteurs que nous accueillons en nombre lors de visites scolaires.
So I really like the exhibition because it's more interactive than a lot of other museums, and that really helps to make history more tangible for people. Notre volonté est que le visiteur, par l'expérience qu'il aura eue dans ce musée, à travers l'interactivité qu'on lui propose avec les documents et les autres contenus, que le visiteur ressorte avec l'idée que c'est son histoire, qu'il se soit approprié l'histoire de la Société des Nations et des Nations Unies. Et que lorsqu'il s'en va, il pense « ceci est mon histoire ».